Il y a quelques jours, trois navires de guerre chinois ont accosté au port de Pointe-Noire, et ce pour une escale technique. À ce sujet, une délégation de la formation 162 du groupe naval de la marine chinoise s'est rendue au quartier général de la zone militaire de défense numéro 1, où elle a été reçue par le général de division René Bukaka, chef d'état-major et général adjoint des forces armées congolaises. Cette visite de travail a permis de renforcer les relations entre l'armée congolaise et l'armée chinoise, et surtout faire la présentation de la zone par le général de brigade Jean-Olusegun Ondaï. Major général du corps de l'US, nous envoyer ici, c'est pour matérialiser ces relations fortes que nous avons avec toi ici. Au lieu des relations fraternelles, des relations d'amitié que nous avons avec nos amis chinois. Donc, il était important et nécessaire que nous soyons ici à cette occasion. La suite de la visite a été ponctuée par la remise des présents entre les deux parties, signe de fraternité entre les deux armées. Puis, la visite de la place du soldat de la paix au rond-point Mesmix de garnison. Et le Congo sont de vrais amis. S'entraidons toujours. Soutenons fermement le développement des forces armées congolaises. Après notre arrivée à Pointe-Noire, donc les activités diverses se sont déroulées très bien. Je suis convaincu qu'à travers ces échanges et ces activités diverses entre nos officiers chinois et congolais, cela pourra approfondir la coopération entre les deux armées. Nous espérons que cette escale technique à Pointe-Noire de la formation 162 du groupe naval de la marine chinoise profitera aux marins congolais d'acquérir des nouvelles connaissances en matière de sécurité maritime.